Twitch. Fait que Simon, tu veux Twitcher, c'est bien facile. Tu vas tout d'abord sur ta page Twitch ici. Tu te logs. T'as pas Everdan, ça va être marqué Sim. Après ça, tu prends le petit onglet ici, là tu le descends jusqu'en bas. C'est marqué devenir diffuseur. Ok, c'est la bonne affaire. Excellent. Et devenez diffuseur, jouez à vos jeux, amusez-vous encore plus. Ok, fait que là tu fais lancez-vous. Là tu as plusieurs broadcasts. Je vais essayer celui-là, mais je te conseille celui-là, Open Broadcast Software. C'est hyper facile, passion, compréhension. De toute façon, je le comprends, fait que je vais te l'expliquer en plus. C'est juste un petit tuto pour que tu, au moins tu démarres. Fait que tu download ici, on va chercher la version ici. Simple. Une fois que tu as été chercher ça, ça va te donner cette porte-là ici, cette fenêtre-là aussi. Tu vas aller dans Paramètres. Tu vas dans Général, tu marques langue française, profil, untitled, on s'en fout. Ça, tu t'en vas dans Encodage. Tu sais, ici, il va y avoir le bitrate ici. Le bitrate, faire que tu ailles faire un test de vitesse de ton internet, que moi je l'ai fait préalablement. Ça va être la vitesse d'envoi qui va être importante de me dire. Après ça, on va régler ça ensemble, mais après, c'est pas important pour l'instant. Tu retournes dans ta petite boîte, dans paramètres du stream, c'est marqué mode de stream direct. Ton service, tu vas prendre Twitch. Après ça, c'est marqué clé du stream. Ça, c'est très important. Fait que tu vas aller chercher ta clé. Reclic d'une page, si t'es mettons t'es déjà. Va sur cette page-là pour downloader ton open broadcast. C'est marqué Looking for your stream key. You can find it on your dashboard. Fait que tu cliques sur Dashboard ici. Va être marqué Afficher la clé. Ça t'affiche la clé. Tu copies-colles, tu retournes dans ton petit chose ici, tu copies-colles ça ici. Après ça, tu fais OK, tu passes à vidéo. La vidéo, ça devrait être correct. Là. Tu pèses sur écran, ça devrait être un problème. Après ça, sur ton Twitch, la grandeur que tu veux, c'est pas important. Ça, il y a des options avancées, il n'y a pas vraiment rien à changer. Ça devrait fonctionner assez bien. Fait que tu fais OK. Une fois que tu as ça, là, t'as pas démarré rien. Tu veux jouer à un jeu, ça c'est bien entendu. Là, tu vas aller dans Scène ici, qui est droit. Ça va marquer où, ajouter une scène. Là, tu ajoutes une scène, mais moi je l'ajouterai pas parce que là on va se perdre si je fais ça. Fait que là, moi j'en ai inventé une pour toi, ça s'appelle du tuto. Fait que tuto. Une fois que tu l'as fait, t'as fait ta scène, tu t'en vas dans Source. Source, tu t'envoies ici, tu ajoutes capture de jeu. Fait que là, tu as capture de jeu, capture d'écran, tu t'ajoutes aussi capture de vidéo. C'est ta caméra. Et là, je vais l'enlever. Non, je vais enlever la caméra, qui est comme ça. Fait que ta caméra, en cliquant dessus, comme ça ici, là, ça devrait prendre la caméra qui est pluguée directement dans l'ordinateur automatiquement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu fais OK. Si tu veux te voir la face, tu pèses sur. Si tu croches ici, là, tu vas te voir apparaître. Après ça, tu édites la scène que je vais te faire. Je vais me faire apparaître. C'était la scène. J'ai un problème avec, là. Il y a un carré qui apparaît, puis avec éditer de la scène, tu vas pouvoir la grossir puis le mettre dans le coin. C'est toi qui décides. Une fois que ça c'est fait, là, tu vas avoir ta face dans le coin, mais c'est mieux de faire le jeu avant. Tu fais une capture de jeu avant, après ça, tu rajoutes la capture de vidéo. Fait que tu fais ta capture de jeu. Là, tu vas partir World of Tank. Dans le petit onglet ici, ça va être marqué Wall of Tank. Tu cliques sur Wall of Tank, tu fais OK. En cliquant, en le crochant ici, ça va apparaître. Le Wall of Tank va apparaître.
Quand ici, ta petite face va apparaître dans le coin. Tu fais aussi, avant de tout faire ça, il faudrait que tu fasses commencer le stream. Mais tu peux faire un test avant. Fais un test, là, tu vas voir ta face, tu vas voir ton jeu. C'est pareil comme si t'es là, mais sauf que t'es pas en ligne. Après ton test, là, tu feras commencer le stream, là, tu vas voir ta face, tu vas voir ton jeu. Tu peux jouer des heures comme tu veux. Fait que c'est un petit peu ça que je vais te montrer là-dessus. Fait que un gros merci Simon de m'avoir écouté. Je sais pas si t'étais là live, je pense que oui. Quand je l'ai vu là, c'est cool. Ok. T'as vu, mais t'es parti. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai fait une petite vidéo. J'espère que ça va t'aider. À la prochaine, mon Simon. Merci. Au revoir. C'est pas vrai, je parle pas pour vrai, mais c'était pour les besoins de vidéo. Ok. Fait que c'était ça, Simon. Si t'as rien entendu, ben tant pis pour toi. De toute façon, je te fais une vidéo, tu vas pouvoir la checker.